I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Oh, oh, t'es là? On va enchaîner avec la prochaine vidéo. They're playing basketball. We love that basketball. Donc, à Lorenzo Gaultier, je sais qu'on a des joueuses de basketball exceptionnelles. Je suis sûr qu'il y a quelques gars qui sont aussi pas pires, là. Donc, aujourd'hui, ça va être un exercice de dribble avec le basketball. Donc, il va y avoir 5 mouvements. Puis, chaque mouvement, tu dois dribbler 5 fois pour le réussir. Donc, ça va être une progression et le but, c'est de le réussir au complet sans échapper le ballon. Je te souhaite la meilleure des chances. Lorsque tu dribbles, tu dois dribbler à la hauteur de tes hanches. Lorsque tu dribbles, il faut que tu épouses la fonte du ballon avec ta main. Donc ta main doit être comme ceci et non plat comme ça. L'enchaînement, si tu le trouves trop facile, je te conseille de le faire sans regarder le ballon. Tu vas voir, c'est un petit peu plus difficile. Merci d'avoir regardé la vidéo, puis encore une fois, si jamais tu réussis l'enchaînement, tu me l'envoies à mon adresse courriel, ça va me faire super plaisir d'avoir tes nouvelles. Et sur ce, bonne fin de journée! Et comme dirait le grand Jules César, la fin justifie les moyens. Loin des yeux, loin du cœur, demain est un autre jour, petit train va loin, et 4-2 Canadiens.